Bon, avant de commencer, je vous parle un peu de mon swag. J'ai mon petit sac qui vient de chez PLT que je trouve trop mignon. Et les suites que j'ai, c'est un nasty gal que j'ai prise en taille L. Malheureusement, il est toujours en rupture de stock, donc désolé. Sinon, je trouve que la couleur, elle est trop belle. Elle taille parfaitement bien. Je l'ai prise en L pour accentuer le côté oversize. Sinon, pour celles qui sont petites, je vous déconseille de prendre une taille au-dessus de la vôtre parce que ça reste d'être très grand vu que sa taille est déjà assez grand. Donc, on a fini de blablater. On se retrouve avec le reste de la vidéo juste après le générique. Prenez un truc à boire, un truc à manger et on est parti. Pour commencer, je me suis pris ces petits ensembles que je trouve trop beaux. La couleur, elle est parfaite, magnifique, trop jolie. Je l'ai pris en taille L, le bas, parce qu'il n'y avait plus de M. Je suis un peu déçue parce que c'est un peu grand. Certes, j'adore le oversize, mais là, c'est vraiment super grand, surtout au niveau du taille. Heureusement que le haut, ça couvre un peu, ça fait genre un peu stylé. Sinon, si vous trouvez votre taille, n'hésitez pas à choper votre taille parce que ça taille vraiment très grand. J'ai essayé de prendre le haut aussi en L, mais ça faisait très moche. Du coup, j'ai pris en M et c'est trop joli. J'aime beaucoup l'effet que ça soit, le pantalon soit un peu genre ballon parce que c'est resserré au niveau des pieds. Puis petit à petit, c'est un peu grand. Le résultat, je trouve qu'il est trop beau. En plus, en ce moment, je suis trop à fond dans tout ce qui est loungewear, dans tout ce qui est habillement confortable. Donc voilà les petits ensembles que je l'ai eu. À moins de 40 €, je crois que c'est vraiment un bon affaire chez Primark. Tu trouves vraiment ton bonheur. Trop contente. Ensuite, je me suis choisi ces petits looks très simples, mais comment vous expliquer que j'ai trop hâte qu'on soit en printemps ou voire même en été pour pouvoir porter un cycliste. Genre, les cyclistes, c'est vraiment la pièce ultime à avoir dans son garde-robe parce qu'il passe avec tout. Surtout pour ces looks que vous verrez dans cette vidéo, j'ai choisi une paire de chaussures qui va avec tout, genre mes petits baskets qui vont avec tout, genre les petits cyclistes très confortables, très jolis, avec un petit pull noir simple, basique. C'est genre, certes, on n'est pas fraîche comme Hailey Bieber, genre pour ceux qui ne connaissent pas Hailey Bieber, c'est la femme de Justin Bieber. Elle est toujours fraîche, la meuf, je sais pas pourquoi, mais bon, avec un tenue comme ça, on peut essayer genre de s'inspirer à elle. La tenue est parfaite, le pull il est très confortable, assez large pour un M parce que le L c'était catastrophique, très grand. Donc du coup, choisissez votre taille. Et pour le petit cycliste, il taille un peu grand au niveau du taille, sinon rien à dire, trop beau. Ensuite, on a ces petites tenues très cocooning que j'adore. La couleur, elle est trop belle. Certes, je ne pense pas pouvoir sortir avec ça. C'est une tenue pour la maison. Mais comment vous expliquer qu'il est super confortable? La couleur, elle est parfaite. C'est pas blanc. C'est genre, c'est un peu beige. Mais la lumière du truc, ça fait pas ce que vous voyez sa couleur naturelle. Sa vraie couleur, je veux dire. Mais c'est une couleur nude trop jolie. Je l'ai pris du coup à ma taille parce que chaque fois j'essaie de surtailler. Donc pour essayer de voir un peu,
parce que j'aime beaucoup le oversize pour avoir l'air un peu mince. Sinon, le L, ça m'allait pas du tout. C'était trop, trop moche. Du coup, le M, c'est trop joli. Regarde-moi le petit gilet, il est parfait. Les petits détails avec les boutons et tout, la matière, très, très, très agréable. Je vous conseille, si vous allez chez Primark, c'est vraiment le pièce à prendre. Ben, pour celles qui sont un peu plus audacieuses, elles peuvent sortir comme ça. Mais moi, là, c'est juste une tenue pour rester à la maison. Peut-être le petit gilet, je peux mettre ça avec un petit jeans. Mais pour le pantalon, non, c'est juste pour rester à la maison. On est un peu cool à la maison, très confortable, mais aussi très joli. La petite tenue, je l'adore. Ensuite, nous sommes sur une autre petite tenue en cycliste assez sympathique. Cette fois-ci, une couleur un peu plus claire. On est sur un gris. Certes, les couleurs ne matchent pas trop, mais on s'affiche sur un gris qui va avec l'autre gris. Donc voilà, le résultat, c'est pas très mauvais. Les pulls, je l'ai pris finalement en S parce que le M, c'était trop trop grand. Je sais pas, moi, je suis Primark. Ils font des tailles super super oversize, genre comme les Américains, je sais pas moi. Sinon, le S, je trouve que ça m'allait beaucoup mieux que le M. J'adore le petit détail, Texas et blablabla, ce qu'il y a avant. Les couleurs sont trop, trop belles. Et quoi dire, c'est une petite tenue assez sympatoche et j'adore. Et pour finir, j'ai pris de la couleur. Regardez-moi ces petits gilets trop 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 mignons avec les petits manches bouffantes comme on adore. Les petits détails avec le bouton. Dans la matière du gilet, c'est trop trop bien. Il est super confortable, genre rien à dire. La couleur, elle est vraiment très flashy, mais ça ne me dérange pas. Je préfère le porter de cette manière-ci. Sinon, je peux aussi le mettre à deux épaules dénudées. Dans tous les cas, le petit gilet, il est trop trop beau. Genre rien à dire. La couleur, je suis un peu à... pour le reste, je trouve qu'il est trop trop belle. Pour ajouter une petite touche de couleur, je trouve que c'est pas mal. Les petits gilets, je suis super 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 amoureuse de ça. Voilà. Pour ces petits gilets, j'ai pris le legging que vous voyez là avec des petits détails au niveau des pieds. Il y a des petites fentes que je trouve trop trop jolies. Je l'ai pris en taille M, ça taille parfaitement bien. Ça va, genre c'est un legging en coton je crois, donc ça va avec tout. Les petits crop top, je peux le mettre aussi sans rien, juste comme ça, je trouve que c'est trop 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 joli. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye!